بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Très important. Cette salutation à elle seule suffit pour installer la paix définitive, une paix définitive entre les musulmans, intra-musulmans, entre eux, et entre les musulmans et les autres. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dit Allah à son prophète. Il lui dit, on ne t'a envoyé que miséricorde pour les mondes. Il n'a pas dit, ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin, ou lil mu'minin, ou lil muhajirin, ou lil muttaqin, ou la la la. Il n'a pas dit, tu es une miséricorde, on t'a envoyé comme miséricorde pour les musulmans, pour les croyants. Non, non, non. Pour l'alamin, pour toute l'humanité, pour tous les mondes. Qu'Allah vous accorde la guider, c'est délice. Message subliminal pour ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à Allah et à sa religion. Faites le nécessaire, montrez un signe de sincérité et vous allez voir que l'islam va vous apaiser. Toi le cathodique, toi le catholique, toi le juif, toi le bouddhiste, toi le non-musulman, toi le mécréant, toi le combattant de l'islam, toi le combattant de la morale, toi le combattant de tout ce qui est beau, toi le sectaire, toi le minable, toi le méchant, toi l'injuste, toi l'instable, toi ce que tu veux, montre un atome de sincérité. Juste un atome, il suffit pour te sauver dans ce bas monde et dans l'autre monde. Ça marche. Je compte sur toi. Lance. Un frère me dit, il est où ce frère qui me dit, sallu ala Muhammad, d'autant que je trouve ce que ce frère me dit, sallu ala Muhammad. Mon frère, il y a ma femme qui est présente, s'il te plaît, donc quand tu vas attaquer la prochaine fois, pense à ma femme, à un niveau très élevé. Elle va entendre ce que tu as dit et j'ai peur pour toi. Et j'ai peur pour toi. Regarde ce que tu as dit, mon frère. Mais tu as fait un énorme frère. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc le frère me dit, la'natullahi alayka, ya ayyuha al-munafiqu al-kaddabu, biddal, al-kaddabu, ittaqi Allah, fa in lam tattaqihi, zinta min al-khasirin. Il a voulu dire ici, on va pardonner l'erreur, c'est une erreur de clavier. Mais il y a d'autres erreurs. Donc, لعنت الله عليك يا أيها المنافق الكذاب اتقي الله فإن لم تتقيه كنت من الخاسر. Très bien. Je te mets dans le livre des records parce que on m'a insulté jusqu'au bout du bout en français. Vraiment. Des insultes que quand tu vois juste mon visage, tu dis c'est pas possible. On peut dire tout de lui, sauf celle-là. Sale PD, par exemple. Qu'Allah te mette en enfer avec les chiites que tu adores, par exemple. Il faut l'enfermer dans un asile psychiatrique. Est-ce qu'il s'entend, par exemple? Mais il est ivre ou pas? Je pense qu'il est ivre. Il est complètement ivre. Ça, c'est de moi. Donc, il y a eu de tout. D'accord? Mais, on m'a rarement, pratiquement jamais, insulté en arabe littéraire. Donc je vais te répondre, la réponse du Coran, « وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا » أَنْتَ جَاهِلْ يَا حَبِبِ. Wallahi, أَنْتَ جَاهِلْ. Comment tu le sais, Mustafa? Ce type d'insulte ne vient que des johal, des johala, des orgueilleux, des instables. J'aurais bien aimé que tu me montres ton beau visage pour m'insulter.
J'aurais bien aimé que tu oses prendre ton téléphone pour que tu me donnes une indication sur l'endroit où tu es. Et j'aimerais bien te voir m'insulter en direct. Tu verras que tu vas bégayer juste si je suis présent dans un endroit dans lequel tu es. Ton âme ne supportera pas. Ton âme ne supportera pas d'être juste en présence avec moi dans une seule pièce. Wallahi, j'ai pitié de toi. Wallahi, j'ai peur pour toi. Antajahel wa mutakabbir. Jama'ta al-a'zamayni fil bala. Tu as en toi, tu as rassemblé les plus gros, les plus grandioses dans le mal, l'ignorance absolue et l'orgueil absolu. Ou antajahelon, puisque tu as osé m'insulter, parce que c'est même pas de l'insulte, ça, c'est plus grave que l'insulte. En arabe littéraire. L'arabe littéraire me passionne. Je ne peux pas me rappeler, par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, depuis que je me rappelle de la vie, que j'ai commis une faute en arabe littéraire à l'écrit. Ça peut m'arriver, peut-être, par inattention. Ça peut se produire en français ou en arabe. Ça peut se produire, surtout en arabe littéraire, que je commette une faute à l'oral. C'est pas simple. C'est pas simple. Mais en écrit, non. Donc là, tu as fait. Donc le khair que tu as mis, Habibi, Yajahel, mon ami ignorant, c'est que je vais défier mes étudiants, toutes les générations d'étudiants qui étudient chez moi l'arabe littéraire et les sciences sincères, les sciences qui évitent à mes étudiants d'être comme ça. Quelqu'un qui passe un mois au sein de l'Oasis de l'Excellence et qui a un minimum de crainte et qui a un atome de bien en lui, jamais il partira. Même chez ceux qui attaquent leur muallim, leur prof, et qui le rabaissent, jamais un de mes étudiants partira faire ce que tu fais. D'accord? Donc le défi que je lance à mes étudiants, c'est trouvez-moi les erreurs dans ce que cette chose-là a écrit. D'accord? Vous entamerez le début du bilinguisme le jour. Donc là, il y a quelques-uns. Anthony, masha'Allah, Nawal, Sonia peut-être, Sonia, hein, sûrement, ont vu les erreurs. Ça leur a fait mal aux oreilles. Pour l'arabe littéraire. Donc toutes les générations, c'est un test. Cette phrase-là comporte des erreurs. D'accord? Le début du bilinguisme, c'est quand tu relèves rapidement. Ça te fait mal au cœur. Donc, Wallahi, tu m'as fait mal à la tête avec ton attaque. Maintenant, al-muslimu man salima an-nas min lisanihi wa yadihi wal-muhajiru man hajara man'a Allahu anhu. Habibi, tu ne mérites même pas l'islam. On s'y va. Al-muslimu man salima an-nas min lisanihi wa yadihi. Hadith sahih. عند البخاري وعند دوطخ من سلم الناس من لسانه ويده. Si tu comprends l'arabe, tu l'as compris, n'est-ce pas? Mais puisque ton cœur est malade, et tu es une indication pour tous les hommes et les femmes de l'humanité. Si vous voyez comme ça, sachez que vous êtes détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous êtes comme ça, sachez que vous êtes détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, je donne un critère pour connaître ton âme, pour commencer à nager dans les labyrinthes et dans les océans de ton âme, et pour commencer à la connaître. Si tu es comme ce frère-là, dis-toi, et le monsieur, il s'invite non plus, il s'identifie, il a un identifiant YouTube où il y a l'arabe dedans. Anta karithatun. Tu es une catastrophe, une calamité. Donc, tu l'as compris peut-être dans le sens superficiel de l'arabe littéraire, mais tu ne le comprends pas et tu n'as rien à voir avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mon grand-père à moi, que tu attaques. Wallahi, j'ai peur pour toi. Wallahi, j'ai peur pour toi. Pour toi, je vais te dire une chose aussi. J'ai une maman, qu'Allah l'agrée, et qu'Allah nous la garde en santé, dans la guider, qui passe sa vie à faire des doigts contre ceux qui me veulent le mal. J'ai peur pour toi. C'est-à-dire, elle n'arrête pas. Moi-même, elle dépasse l'entendement. Moi-même, elle me dépasse par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Parce qu'elle n'arrête jamais de faire du droit contre ceux qui ne m'aiment pas et qui me combattent. Et j'ai peur pour toi, Allah. Il y a mon épouse qui est là, un niveau très élevé. Mon épouse, rares sont les gens qui me marquent dans la vie. Vraiment, rares, très rares, ceux qui me marquent vraiment. Vraiment, ceux envers qui j'ai de la bonne jalousie. Parmi eux, il y a mon épouse. Billah, Alek, tu fais ce type de dua contre moi et mon épouse, tonton. Je sais, Wallah, tu es cuit. Mais tu vas me dire, oui, mais ta mère, ok, ton épouse, tu me menaces avec des femmes, très bien. Atadrouna, dit Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, connaissez-vous? Avez-vous une idée sur le Mouflis, celui qui a fait faillite, qui est en faillite? La réponse à Mouflis, c'est celui qui n'a pas de dirham, qui n'a pas de dinar, qui n'a pas d'oseille, qui n'a pas l'euro, qui n'a pas le flous, qui n'a pas de briques. Masha'Allah. Non. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répond à une autre réponse. Mouflis, c'est toi. C'est parfaitement toi. L'homme en faillite, c'est toi. Le malheur, c'est que ce hadith ne s'applique pas bien sur toi. Parce que celui que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam décrit est un homme ou une femme, une personne qui viendra avec des montagnes de salat, avec des montagnes de hasanat, avec des montagnes de siyam, de hajj, de sadaqa, de zakat. Toi, tu te compares à celui-là. Montagne de salat, ça veut dire il était vraiment dans... Il ratait aucune surrogatoire, il était parfait dans les prières, il faisait vraiment les prières, il aimait ça et tout ça. Donc toi, à côté, c'est bon. Car nous pardonne tous, moi-même. Donc on ne peut pas être comparable à cela. Avec des montagnes, Hassanat, Jibal. Zakat, Siyam, Hajj, Bir, Walakin. Son malheur, c'est quoi? Et c'est là la partie qui s'applique parfaitement sur toi. Mais il viendra, insulter, il a insulté, il a dénigré, il a rabaissé, il a attaqué. Qu'est-ce qui se fera? Qu'est-ce qui se passera pour lui? Allah prendra ses hasanat. Il va les donner à ceux qu'il a attaqués. Donc là, je suis fier de toi finalement. Tu me donnes de tes hasanats. Wallahi, elle te paraît simple celle-là. On l'entend souvent. Tu me donnes de tes hasanats quand tu m'attaques. Mais les gens ne se rendent pas compte de ça. Wallahi, tu me donnes de tes hasanats. Tu me détestes. Regarde la moussiba, la kalita pour toi. La calamité, c'est que tu me détestes et tu me donnes en cadeau tes hasanats. C'est le plus beau, ça. C'est le summum du summum. Au pire, il fallait que tu dises, Ya ummi, alayki la'ain illallahi, anti kadabatun, anti munafiqatun, anti minal khasirin. Dans son absence, ou directement, tu dis ça de ta mère, ou de ton père, par exemple, même s'il faut éviter ça. Et là, tu leur donnes des hasanats. In kuntu, la budda d'amman, au murtaba nahanan, la, rtabtu ummi, fa hiya ahwaju, ila hasanat. S'il faut absolument que je fais la médisance contre quelqu'un, que j'attaque quelqu'un, que je dénigre quelqu'un, que je rabaisse quelqu'un, ben je le fais pour ma mère. Je le fais à ma mère. Je rabaisse ma mère. Je dénigre ma mère en son absence parce qu'elle a besoin. Et elle est celle qui a le plus besoin de mes hasanats. Tu les donnes à ton ennemi. Maintenant, sur un avis ou une opinion que j'ai. Maintenant, je vais te donner quelque chose qui va t'étonner. D'accord? Par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai fait maintenant, je peux dire aujourd'hui, il y a plus de 620, 630 rappels sur Internet et des conférences et tout. Tous ceux qui m'ont invité te le diront. Des personnages qui se sont donnés à la da'wah, qui se sacrifient, qui souvent ont l'ilm. Souvent, j'ai à côté de moi des imams qui n'osent pas, par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, ouvrir leur bouche. Quand je suis présent, ils ont honte, ils ont la gêne de parler en ma présence. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, comprends ce que j'essaie de dire, même si je sais que tu comprendras autre chose. Même si je sais que tu comprendras le mal.
Mais là, je pousse le raisonnement à l'extrême avec toi. Donc, tous ces gens-là qui m'invitent te diront que quand je fais le rappel, ils ne voient que rire, ça les transporte. Wallah, il a dit là, il a un rire où j'ai entendu dire des gens me dire que c'est la première fois qu'un rappel me touche à ce point. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Alhamdulillah, 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 des gens me disent que c'est la première fois qu'un rappel me touche à ce point. Pourquoi tu ne viens pas sur nous? D'accord. Pourquoi je te raconte ça? Parce que sur les 620, 630, 650 rappels que j'ai faits, bismillah, avec ta science à toi, à ta clé, par l'ilm, et Allah, descends-les, bismillah. Montre-moi ton visage. Et j'aimerais bien t'entendre les critiquer, bismillah, avec la logique islamique et avec la science islamique. Bismillah. Allez, je te défie. D'accord? Tu m'attaques pour une opinion que j'ai donnée sur notre cher, Imran Hussein. Et finalement, tu me confirmes ce que je dis. Que ce n'est pas n'importe qui écoute Imran, cher Imran Hussein, et que je dois d'abord apprendre l'ilm. Et l'adab, et l'adab. عند أبي ربيعة وتعلم أدبه قبل علمه أدي العالية الإمام مالك لابنها الإمام مالك une femme العالية la maman de l'imam Malik quand il était petit elle lui dit ذهب اقصد ذهب عند ربيعة va voir Cheikh ربيعة et apprend son adab d'abord avant son ilm l'histoire est une histoire de adab pas de ilm un ilm sans adab est un ilm qui te mène directement en enfer Et une âme satanique, minable, mauvaise, elle apprend le Coran lui-même. Qu'est-ce que le Coran va lui faire? Qu'est-ce qu'elle va faire de le Coran dans son cœur? Elle va se rajouter encore, elle va se charger encore de mal. Parce qu'il est le mal. Sa niya à la base d'une niya mauvaise. Donc au lieu que le Coran l'élève, elle va faire en sorte que Elle va utiliser le Coran pour s'enfoncer dans ses malheurs sataniques. Quel que soit l'ilm. L'ilm, en lui-même, personnellement, s'il n'y a pas le halal, s'il n'y a pas le khuluq, s'il n'y a pas une âme d'un niveau élevé, je dis franchement, un monsieur qui vient de dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah » et qui ne connaît rien à rien, peut être meilleur que là que quelqu'un qui a passé 50 ans dans le ilm et qui peut te réciter des livres et des livres et des livres. Pire, un kafir, kafir, qui n'a pas encore eu le bonheur et la chance, et la ni'ma d'Allah, et la joie et la sincérité de retrouver l'islam, est meilleur que quelqu'un qui a le ilm pendant 50 ans, et qui est minable, à la base une âme mauvaise, satanique, satanique. Donc l'adab wa l'khuluq ya habibi, pour comprendre et pour étudier, pour pouvoir ouvrir ou écouter Imran Hussein, tu me confirmes, c'est pas n'importe qui. Et tant que vous n'avez pas compris et appris la science avec l'adab, et tant que vous n'avez pas remédié, rectifié les passages de vos âmes, je vous dis, Imran Hussein, c'est même pas la peine. D'accord? D'accord ou pas? Al-mu'minu man aminahu an-nas, dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as même pas atteint le degré de l'islam. Et je te parle d'iman. C'est vrai que je t'accorde une importance que tu n'as pas. Qalat al-arabu amanna. L'arabe! Des gens qui ont peut-être vu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam respirer le même oxygène que lui. Attention. Muhammad, attention, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas donné à n'importe qui de le voir. Et ceux qui l'ont vu avec des armes sataniques, jahannam! منافقون مجرمون ملاعين منهم ابو لهب عمه دونك العرب ils ont vu محمد صلى الله عليه وسلم ils ont respiré le même oxygène attention le niveau d'être avec محمد صلى الله عليه وسلم c'est une نعمة d'Allah la niveau élevé et قالوا ils ont dit آمنا Allah leur répondant Non. Bah, pour l'aslamna, dites, aslamna. Peut-être celle-là,
Juste Aslamna ne s'applique pas sur toi parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam explique ce que c'est que le musulman. Man salima an-nas min lisanihi wa yadihi. Les gens sont à l'abri de son lisan wa yadihi. Est-ce que moi tu m'as vu attaquer Cheikh Imran Hussein? Là, juste que ton niveau est tellement bas. Et non, ça, si tu veux me voir un peu impatient, si tu veux me voir souffrir, c'est comme les personnes n'utilisent pas la ni'ma d'Allah qu'il leur a donné, qui est le cerveau et le cœur. Avec ces deux-là, normalement, si tu as un minimum de sincérité, tu peux les utiliser. Quand tu les utilises, tu as Wallahi la ni'ma de voir le haq-haq. Demande à n'importe quel type de personne. Demande à n'importe quel type de comité de fatwa. Personne sage, attention, avec un certain sagesse. Voilà. Voilà mon niveau. Voilà ce que je suis. Est-ce que vous me conseillez d'abord d'écouter Cheikh Imran Hussein? Et ça, en posant la question comme ça, c'est pas que tu attaques Cheikh Imran Hussein. C'est que tu attaques le niveau des gens, d'abord. De ceux qui veulent écouter. Et après, Imran Hussein, on peut lui reprocher des choses. Non. Non, c'est pas interdit. Tu peux me reprocher, tu peux reprocher à X, à n'importe quel type de personne, quelle qu'elle soit, sauf Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans la joie, la bonne humeur et le respect. Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reproché à Aïcha, le fait qu'il a répondu à un kafir yahoudi min ashqa al-qawm, qui dit assalamu alayka, que la mort soit sur toi. Aïcha répond très vite. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit non, pas comme ça. On a demandé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de maudire comme tu fais. La'natullahi. Ma ma'na la'na. Attarbu min rahmatillah. Allah. Tu demandes, tu fais une dua pour qu'Allah me chasse de sa miséricorde. Mais que tu es beau, machin. Si je fais des rappels, et si je me déploie sur ça, et si je ne touche rien avec ça, et si ça ne me finance pas du tout, et si j'ai toujours refusé de prendre un centime d'euro, là où je pars, alhamdoulilah, très loin, 1000 km de Paris, et si les gens mettent de l'argent dans des enveloppes, et jure par Allah, je dis non, le ciel tombe sur la terre, je ne touche pas cet argent. Et ce qui est halal, attention, je peux toucher, halal. Ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Halal, pas de problème. Mais je refuse catégoriquement de le prendre. Peut-être, en se déployant à ce point, peut-être je ne suis pas chassé de la miséricorde d'Allah. Eh oui, non. Peut-être, dis le bénéfice du doute. Et toi, je me dis, عليك لعنة الله يا أيها الكذاب. بالدال, كذاب. وَلَكَ بِمَا طَلَبْتَ te dira l'ange dans le bien, il te dira وَلَكَ بِمَا طَلَبْتَ. Mais de toute façon, une dua de ce type-là ne passe pas, elle t'entoure toi. لِمَاذَا يُلْقِي يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يُلْقِي مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Il dit la parole, le pauvre, il ne lui accorde même pas d'importance. Regarde la parole. Wallah, elle peut faire trembler des montagnes, cette petite phrase que tu as écrite. Wallah! Et là, yulqi laha balan. Il ne la voit même pas, le pauvre. Au moment où il est en train de l'écrire, je préfère que mes mains soient coupées, Habibi, que d'écrire ça. Je suis dans la da'wa depuis très longtemps, depuis que ta khnouna était en train de... D'accord? Depuis que tu étais minable dans tes bassesses à toi, que tu connais. Tu connais, t'as pas besoin de moi pour te les rappeler, n'est-ce pas? Ton niveau, on le voit. D'accord? Et j'ai vu des gens et des gens et des gens. J'ai rencontré des gens et des gens et des gens. Et j'ai été défié par des imbéciles. Pire, Habibi. D'accord? Mais on garde. Calme, toujours le jeu. Toujours. Mais ta kalima à toi, le pauvre. La turqila abalam, tu l'as même pas vu. Tu l'as même pas vu. Tu n'as même pas fait attention quand tu étais en train de l'écrire. Voilà qu'il regarde. Min sakhatillah.
Ah, j'ai peur pour toi. Min sakhatillahi, par la colère d'Allah. Allah, lui-même, par l'intermédiaire de son prophète, te dit que ça c'est min sakhatillahi. Qu'est-ce qu'elle provoque pour toi? Jahannam, ta'wi biha. Tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'ouvres, allez, tu creuses l'enfer. Tu t'enfonces, tu t'enfonces dans l'enfer. 70 ans. Oh, tu t'en as qu'elle. Donc toi, en l'écrivant, tu as pensé que tu touches Mustapha Abou Main, Wallahi. Oui, mais il te voit même pas. Oui, mais ça va, tu es en haut, nous disons. Oui, eh oui, tu sais, Omar Ibn Khattab, le Dourra, l'intérêt de la Dourra d'Omar, c'était quoi? C'est qu'à chaque fois qu'il voyait que Shaytan l'avait fait, ça fait le Mu'min. À chaque fois qu'il voyait que Shaytan jouait avec la tête de quelqu'un, il nous donnait des coups. Il y a eu même des gens qui ont voulu commencer à tergiverser dans l'Aqida, l'Aqida Tawhid. Ils ont commencé à tourner autour de ça, il lui a donné un coup. Tu sais, cette personne, ce qu'il a dit après des années? Il a dit, c'est Shaitan avait commencé à jouer avec moi, et c'est grâce au bâton de Omar que Shaitan s'est enfui. Sinon, je me serais égaré. D'accord. Revenons un petit peu, par exemple. Il est rabot, Moustapha. Non, orgueilleux, non? Orgueilleux, non. Orgueilleux, non. Tu n'as pas, tu n'as jamais peut-être eu l'honneur de t'asseoir avec Moustapha, par les grâces de l'Allah. C'est pas donné à n'importe qui, attention. Mes amis à moi, mes intimes à moi, c'est pas n'importe qui, Habibi. Il s'exclut. Les âmes mauvaises, minables comme toi, ne peuvent pas s'asseoir avec moi, par les grâces d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On va venir. Donc là, il y a des gens qui vont voir beaucoup de choses, qui vont partir prendre ma vidéo, prendre quelques secondes, et dire, ah, regardez comme il est, regardez l'Albanie, regardez l'Albanie. Il y a des gens, des imbéciles qui font ça. Regardez l'Albanie, ce qu'il avait dit de lui-même. Regardez la modestie, masha'Allah. Le maqamu tawadu'i. Maqam wa maqamu kasri mutakabbirina mithlaka maqamun akhar. Ya lui, dans la sunna, je peux de temps en temps casser des amoureux d'eux-mêmes comme toi, des orgueilleux, hein, des narcissiques comme toi, hein, des nombrils de l'univers comme toi. Quand tu t'asseoiras avec moi, Inch'Allah, tu verras que c'est beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité, beaucoup de haya, hein, beaucoup d'adab par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Donc, jumlatun khati'atun. Walou, niveau zéro. Tu verras qu'un certain Anthony, à l'instant où il va écouter la phrase, il la corrigera en automatique. Et tu es un arabophone mauvais. Si tu es arabophone, tu es mauvais. Parce que c'est une erreur que beaucoup d'arabophones ignorants de l'arabe littéraire et qui n'ont aucun respect et aucun amour pour la langue d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a choisi pour le Coran et pour son bien-aimé commettre. D'accord? Donc, quand tu te sentiras un homme d'honneur, bismillah, envoie-moi en privé ton numéro de téléphone, d'accord? Ou donne-moi un endroit pour que je vienne te voir et défie ton âme, s'il te plaît, pour qu'elle puisse juste s'asseoir avec moi, avant même qu'on commence à parler. Et si tu aimes le haqq, hein, tu verras qu'en analysant tout ce que je raconte, il y a subhanallah, mais il y a dedans un mot par lequel, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de monde, parce que je ne parle pas beaucoup de monde, beaucoup de ces gens-là, qualifient de sagesse. Le mot, c'est la sagesse. Celui à qui Allah donne le hikma, la sagesse, a eu un énorme, elle n'est pas donnée à n'importe qui. Par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a toujours dit depuis très longtemps que je l'ai. Par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabbi lakal hamdu. Ya Rabbi lakal hamdu. Ya Rabbi lakal hamdu. Va jouer ailleurs, j'ai pitié de toi. Sache que tu as le plus beau critère sur ton âme, qu'elle est satanique, qu'elle est orgueilleuse, qu'elle est mauvaise, juste par ta phrase. Remets-toi en cause et trace et avance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beaucoup de fraternité pour toi, beaucoup d'amitié fraternelle pour toi, malgré tout ce que j'ai dit. Ça marche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.